Eh bien bonjour tout le monde, ça fait assez longtemps qu'on ne s'est pas vu, mais bon, les Jeux Olympiques ne sont pas passés inaperçus et effectivement ça a vraiment empiété sur, et à juste titre d'ailleurs, sur nos petits travaux associatifs. Donc nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui et profitons du soleil pour vous présenter un roadster mid-size. La CB650R de chez Honda. Donc comme vous pouvez le voir, cette moto est déjà extrêmement attrayante visuellement. On voit tout de suite 4 cylindres, sortie de pot d'échappement du même côté, un petit peu comme les anciennes Honda 400 CBX par exemple. Une jante avant arrière dorée, enfin bronzé, les carters à la fois protège culasse, culasse et puis embrayage, couleur bronze également, la fourche dorée, ça donne un aspect vraiment très, très sympathique à cette petite moto, j'allais dire non, parce qu'on a vraiment l'habitude maintenant d'avoir des monstres sur la route, des 1000 passent encore, même le 1000 maintenant passe pour une moto assez petite, ce qui est assez paradoxal, mais des 1300, des 1400 et voire beaucoup plus même maintenant. Donc vous voyez, la finition quand même est vraiment très attrayante, très valorisante. Le tableau de bord, bon maintenant c'est répandu. Excite les compteurs analogiques, on est sur une petite tablette, extrêmement visible, vous voyez aujourd'hui, beaucoup de soleil, on a cette chance, le soleil est assez bas, rasant, mais le tableau de bord est vraiment très lisible en toutes circonstances. Vous avez toutes les indications habituelles, forcément. C'est une moto qui est donnée pour une consommation moyenne d'un petit peu moins de 5 litres. Donc là, on a fait beaucoup de villes avec beaucoup d'arrêts au feu rouge, les piétons et ainsi de suite. On est un petit peu plus de 6 litres. Voilà. En embrayage automatique, 4 cylindres. Vous avez le témoin qui vous signale bien que l'embrayage est automatique. Là, la béquille est mise, donc je vais monter sur la moto, j'enlève la béquille et je peux passer la première sans utiliser la poignée d'embrayage. Si j'accélère, voilà, c'est-à-dire que je suis en prise, je peux accélérer, je peux démarrer, le démarrage en côte n'est plus un souci pour ceux qui avaient cette petite appréhension, moto à deux, hein, donc je le répète, pour les jeunes permis, vraiment très rassurant, et pour les permis un petit peu moins récents, comme le mien par exemple, 4 cylindres, agréable. On va partir pour l'essai, mais avant tout, je vais chausser mes gonds. On passe la première, pas d'embrayage, je démarre. Comme avec un shifter, presque. Bon, de temps en temps, il peut arriver, mais à très faible vitesse, hein, ce qui est quand même assez rare dans l'utilisation normale, de tomber sur un point mort. Mais bon, globalement, voilà. Toujours pas d'embrayage, on ralentit. De temps en temps, vous voyez le témoin moteur du rapport engagé qui se met à clignoter vers le bas quand vous êtes vraiment sur un sous-régime, mais voilà. Peu importe, extrêmement agréable, on va laisser passer les piétons. Suspension avant, je dirais quand même un petit peu ferme, qui aurait tendance potentiellement à très sauter. mais bon, faut bien chipoter un petit peu sur un essai. Suspension arrière, ça va, selle pas trop épaisse, mais bon, globalement assez confortable. La position de conduite assez droite hein, quand même. Donc je vous rappelle que c'est une version permis A2, donc 47 chevaux. Vous voyez que ça fonctionne. Rétrogradage. Sincèrement, l'embrayage automatique se fait oublier extrêmement rapidement. Le moteur 4 cylindres, donc extrêmement élastique aussi. Et c'est du coup extrêmement agréable. Ça y est, j'ai pris des tics de langage. C'est une moto qui se conduit vraiment, elle est très agile, 205 kg tout plein fait, réservoir de 15 litres à peu près, donc ça vous laisse une autonomie très satisfaisante. On peut rouler à un régime soutenu autant que se promener, une balade bucolique. Voilà, et on prend vite l'habitude de plus servir de la poignée d'embrayage.